Bon, salut à tous, c'est Dead Red Ghost. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va passer, du coup, level 6 farmer et où on va, du coup, passer en même temps level 9 mineur. Du coup, oui, on va pas mal payer les métiers sur cette vidéo. Du coup, on n'aura pas tellement le temps de faire autre chose, mais c'est pas très grave. Du coup, sur ce, à tout de suite! L'épisode, on va passer du coup le prochain level, c'est-à-dire level 7 mineur, et voilà, c'est fait, parfait. On récupère du coup les pièces, et du coup, on va continuer à faire un petit peu notre métier mineur afin de tenter de passer level 8 et pouvoir dupliquer, normalement dupliquer l'améthyste, enfin dupliquer, et surtout du coup ça nous rapporte de l'XP pour le métier avec l'améthyste. Ah non, level 9, ouais, bon, on va rusher les métiers un peu mineur afin d'avancer un petit peu vu qu'on est dans le nether. Et du coup, bah, sur ce, on va continuer. Du coup, on se retrouve maintenant dans le nether pour tenter de passer level 8 mineur. Du coup, on ne reste quasiment rien pour passer. On va faire attention à pas détruire du quartz pour éviter que ça tombe dans la lave, ça serait dommage quand même. Quasiment, on y est presque là. Il nous reste vraiment, vraiment, vraiment pas grand chose. Si on va voir, vous voyez, il nous reste, bah, je dirais, un filon de quartz à trouver. On devrait le trouver plutôt facilement. Là-bas, il y en a un déjà. On va l'éliminer tout de suite. Du coup, voici le petit filon de quartz qui devrait normalement nous faire passer une nouvelle. Non, pas celui-là. Bon, pas grave. Il y en a un autre là-haut. On va le prendre tout celui-là. Et voilà, level 8 mineur. C'est tout simplement vraiment génial. Du coup, ça nous fait 9000 XP supplémentaires. Ce qui est relativement pas mal. Du coup, nous, on va continuer à EP un petit peu notre métier de mineur. Et on va tenter de passer level 9 afin de pouvoir débloquer la cuisson de l'améthyste. Ce qui serait vraiment super. Bon, du coup, on se retrouve. On va passer level 100 en finalement en minant juste du quartz. Du coup, je trouvais ça assez drôle de vous montrer ce moment. Du coup, bah, c'est pour ça que je cite le record. Du coup, bah voilà, on récupère 2-3 quartz encore et c'est bon, on passera level 100 en XP. Très bientôt, dernier filon je pense. Non, pas encore. Juste le dernier, c'est sûr et certain. Et voilà, on a le level 100. On est level 100 en XP. Bon, c'est plutôt fun. Surtout quand on pense qu'on a fait ça juste en minant du quartz. Sans faire un mob ou ce genre de choses, comme généralement c'est le cas. Et sinon, bah du coup, je peux vous montrer un peu où on en est sur l'objectif du métier mineur. Il nous reste plus que 3000 XP à avoir et on passe level 9. Du coup, on va très prochainement la passer et ça, c'est vraiment génial. Du coup, bah, je pense que je vais faire ça sous forme accélérée, ça va être sympa. Et du coup, bah. Ça commence maintenant. Du coup, voilà, on se retrouve. On va enfin passer level 10. Attends, on va juste faire un petit pas la like parce que j'ai pas envie de perdre la monnaie. Donc voilà. Bon, tant pis, pas grave, au pire. Et du coup, on va enfin passer le level 9 mineur. Du coup, ça aura pris quand même pas mal de temps au final. Donc, et voilà, on le passe. C'est bon. On est level. On est level 9 mineur, donc on peut aller voir si vous voulez, ou plutôt là,
Et on est, voilà, level 9 mineur. Du coup, il nous faudra 64 000 XP pour passer le level 10. Mais l'avantage, c'est qu'on a gagné enfin le smelting des améthystes. De l'améthyste. Du coup, après, on a aussi le titane et le palladium. Mais ça, on l'a pas encore débloqué. Du coup, on va terminer un petit peu de mine de quartz. Et après, on verra ce qu'on fera. Et on se retrouvera du coup tout à l'heure. Bon, du coup, on se retrouve maintenant à la ferme de la faction. Du coup, qu'on a créé. Du coup, c'était pour vous montrer le passage au level 5 farmer. Du coup, parce que j'ai bien épé ce métier, là, du coup. Et du coup, bah, on va passer level 5 farmer. Sur ce, allons-y tout de suite. Oh là. Dans le dernier champ qui va nous faire passer level 5. Du coup, on va attendre un petit peu le clear lag. Slash pas la lag time, du coup, pour voir le temps dans combien de temps. On attend juste 8 secondes, du coup, pour le temps que ça passe et pour pouvoir passer level 5 farmer. Et du coup, farmer la fertilizer. Du coup, bon, on est tout le champ. Attention. La destruction de champ massive, comme on pourrait dire. Et voilà, on passe level 5. Enfin, du coup, hein, on passe enfin level 5. Ça a représenté beaucoup de farms. Ça c'était très long déjà de 1 à faire la ferme. Et surtout à attendre, parce que mine de rien, c'est 8000 blés juste pour passer du level 4 à 5. Et nous, on est passé du level 1 à 5. Donc, cette ferme a été plutôt productive. Même si au début, on avait 3 étages, donc on a bien amélioré. Et du coup, bon, voilà. Hein. Nous voici enfin ce level. Du coup, c'est plutôt pas mal. Et du coup, bon, on va se retrouver plus tard pour aller faire d'autres choses. Du coup, on se retrouve maintenant pour la fin de cette vidéo où, du coup, on va passer level 6 farmer. Oui, parce que, du coup, il y en a d'autres qui ont refarmé un peu de blé en attendant pour EEP leur level. Et du coup, ça va nous permettre de passer level 6 farmer, ce qui va nous permettre normalement de débloquer le cassage des eggplant seeds. Ce qui va être vraiment, vraiment très, 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 très bénéfique pour nous et pour EP, du coup, notre métier de farmer. Parce que là, jusqu'à maintenant, c'était très long. Et voilà, on est passé level du dessus, du coup. On va poser tout ça là. On va récupérer la monnaie. Et du coup, en termes de monnaie, on commence à être pas mal. Hein. On a 35 000 de monnaie. Du coup, c'est vraiment plutôt pas mal. Et du coup, je vais vous montrer. Donc on a déjà un peu des eggplantises et tout qu'on a planté. Et du coup, pour vous prouver qu'on peut bien déjà, du coup, on a enfin débloqué le craft qui nous permet de gagner 12 XP. Bon, c'est pas énormément non plus, mais c'est déjà pas mal, hein, parce que franchement, ça a été très long jusqu'à là. Et du coup, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de vidéo, enfin du coup c'est la fin, et du coup à la prochaine, et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de mettre ce que vous en avez pensé dans les commentaires pour dire en quoi je pourrais m'améliorer et ce genre de choses, et du coup on se retrouve à une prochaine sur Palladium.